plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage de l'ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, maman, tu mets ton bras. Maman, c'est toi la plus belle du monde, car tant d'amour. Le spécialiste du cross-balade en dernière minute, à 6 mètres d'alpin, pourtant les mobilités qui venaient cette semaine, en tout cas, eh bien, voilà, donc les modifications de dernière minute. On va les retourner maintenant avec les différentes arrivées qui se succèdent. Mon cher Daniel. Effectivement, donc nous avons eu tout d'abord le 128 avec Stéphane Girard et Michel Hurnieux. Nous avons également le 86, c'est Jean-Pierre Loisel, Fabrice Weffer. 83 avec Jérôme Almy, Romain Tata et à l'instant 94 avec Olivier Bachat et Pascal Levillain de Perrier Cyclisme. Voilà les dernières arrivées que nous venons d'avoir à l'instant. Alors, mais également, donc effectivement, du côté du junior, eh bien, on s'avance très très sérieusement. On est bientôt à la fin de cette catégorie puisqu'elle était prévue à 14h56. Donc, on y arrive tranquillement, mais sûrement maintenant. Et dans quelques instants, eh bien, nous aurons rendez-vous avec les premières et deuxièmes catégories avec un total de 19 équipes. Oui, pour l'instant, nous sommes avec deux juniors de première année. Quel junior de première année? Samuel Cameraman, qui vient de remporter l'épreuve de Rouen Géseur. Il était médaillé de bronze au dernier championnat de France de poursuite par équipe, sixième et premier normand lors de la finale des charges nationales au signal des groupes. Et il est en compagnie de Louis Malouagne, c'est un des piliers de l'équipe de Normandie. Il sort d'une participation à la Classique des Alpes. Il a terminé sur le podium du Tour du Pays du Cotentin. Voilà pour eh bien, cette équipe 100% rouennaise sur la rampe de lancement. Et mon cher Daniel, eh bien, en contemplant les deux juniors sur la rampe de lancement, j'en ai loupé quelques passages sur la ligne. Et maintenant, on contemple, on contemple, on rate des passages. Tout à l'heure, je l'ai nié, qu'est-ce que c'est que ce travail? Mais continuez. Il n'y a pas de problème. Donc à l'instant, eh bien, c'était le 89 avec Patrick Gosselin et Tom Gosselin. Voilà donc le dernier passage que nous avons eu tout à l'heure. Et on est là pratiquement à la fin du départ de la catégorie junior. Oh, et quelle catégorie et quel départ! On en parle depuis ce matin avec la présence du champion de France de contre-la-montre, un titre acquis à Saint-Omer, vice-champion d'Europe. Il y a quelques semaines du contre-la-montre, il ressort tout droit des championnats du monde et qui se sont déroulés en Espagne. Corentin Hermano, trois titres de champion de France sur la piste, champion d'Europe de la course au poids, champion de France et bien de poursuite individuelle et nouveau recordman de France du 3000 mètres, départ arrêté avec un temps de 3 minutes et 19 secondes. Autant dire que ça a été extrêmement rapide pour le jeune junior Corentin Hermano et il est associé pour l'occasion à un certain Adrien Garel. Adrien Garel, champion de France de poursuite par équipe. Il est tout simplement vice-champion de France de poursuite individuelle. Mesdames et messieurs, vous avez le podium des derniers
derniers championnats de France sur piste qui se sont déroulés sur le vélodrome de Nièvre, deux des plus grands champions du cyclisme national français. Ils sont picards tous les deux, ils sont sociétaires du CC Nogent-sur-Oise. Ils vont relever le défi des élites pour le classement scratch. Autant dire que nous allons vivre et nous allons suivre de très très près l'évolution de cette paire. 100% junior, Corentin Hermenot pour les amoureux du cyclisme et tout simplement le fils de Philippe Hermenot, l'ancien champion olympique de poursuite par équipe. Autant dire que dans le cyclisme, on y connaît quelque chose dans la famille. Formation avec Samuel Kergarava, celui qui s'est distingué notamment troisième du championnat de France de poursuite par équipe, vainqueur de la classique Rongisor, vous l'avez vu la saison passée, remporter le challenge de l'espoir en sa compagnie Louis Malouagne, celui qui avait remporté la classique de la vie, on l'a vu se distinguer sur le tour du Cotentin dans le contre-la-montre en montant sur le podium et troisième du classement général. Et puis Alexandre Marie vient de s'imposer sur une étape des deux jours du jumelage à Vire, vainqueur également à Longlet-l'Abbaye. Il avait remporté également le tour du Pays de Flers après les victoires à Fontenay-Agère. Le vélo Vélostoplan 76 avec les juniors, Samuel Kerkarava, Louis Malouane et puis également Alexandre Marie, la formation du Vélostoplan 76. Some fresh to death looking plush. Ladies can't get enough. Got my fitness all looking buff. And all my people with my trust. Only now for my city. Voilà, nous retrouverons la formation du Vélostoplan 76 avec notamment l'un des espoirs juniors du cyclisme normand, Samuel Kerkarava, omniprésent que ça soit sur le championnat de France et le challenge national avec Louis Malouagne et puis Alexandre Marie, vainqueur d'étape sur les deux jours du jeu.